Et salut YouTube, deuxième partie aujourd'hui de la ligne La Rochelle-Niort. Et du coup, là on est à Surgères, on vient de déposer les passagers. Et là, nous partons en direction de Niort. Sur la première vidéo, première partie, je disais qu'il y aurait trois parties. Sur le trajet, trois vidéos en trois vidéos. Parce qu'on va pas s'arrêter, enfin, on va s'arrêter à Niort concrètement, mais il y a encore un arrêt après qui s'appelle Saint-Maxent, et ça, c'est un détail que j'ai oublié dans l'annonce donc. Il y aura bien trois vidéos. Et donc là, nous entamons la partie de la map qu'on ne connaissait pas avant. Sectionnement 500 mètres. Ah merde. J'avais le panneau rêve là. J'ai pas nos rêves là. Alors je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu 100 sur le panneau. Je crois que c'était un panneau de chantier 100. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que c'est ce que t'as mis Alexis là sur le... légèrement sur la gauche du rail. Enfin l'espèce de ligne blanche là. Je sais pas si c'est un caniveau. Je sais pas si c'est un caniveau ou si c'est... petit muret en terre, enfin sous terre. Je sais pas, faut que tu m'éclaircisses là-dessus. Ça c'est vraiment chouette. Hein. S'y croirait vraiment. Oula. J'ai vu un petit château d'eau bizarre. Je savais pas qu'ils étaient colorés les châteaux d'eau. Ah, cela c'est là, je suis. Alors pour ceux qui jouent au jeu, le HUD est un asset qui était créé par un modder aussi, je sais plus comment il s'appelle.
Je vous mettrai le lien dans la description aussi pour ceux qui le veulent. Et il est vraiment cool. Ça fait un peu plus moderne. Je vais faire le fou. Oh, ce son. Ah, merci traîneau quoi. Va falloir que je prenne exemple sur toi Alexis pour la caténaire 25 000 volts. Parce que je vois que par moment il y a deux caténaires. Et ça je ne savais pas qu'il fallait mettre deux caténaires. De toute façon, j'ai remarqué aussi que y a des objets sur ta map qui m'intéressent beaucoup pour la mienne. Donc je vais noter en off tout ce qu'il me faudrait. Parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment cool. Pour être adéquate à ma map. Par exemple la passerelle sur la Rochelle. Bah moi j'en utilise une autre mais qui est pour le triage, qui est pas forcément celle que je voudrais. Et la tienne que tu utilises là, elle m'intéresse beaucoup. Que non seulement les escaliers sont tous du même sens, chose que je n'ai pas sur celle que j'utilise, que ça fait en gros ça fait un Z à la mienne et toi ça fait un U, et donc c'est ça qui me manquait en fait. Et là, pareil, le grillage sur le pont de la route, là, je savais pas où le trouver. Et je pense que grâce à toi, là, je vais pouvoir savoir lequel c'est. En fait, je crois qu'on va s'arrêter à New York. Finalement. Non. Je crois que la fenêtre pouvait s'ouvrir. Ouais, on va s'arrêter à New York. Et puis voilà, ça sera une belle découverte de fait. C'était des gendarmes, ça? Sectionnement. Quoique je crois qu'on est... Ouais non, on n'a pas de sectionnement au final. On est libre. Et donc nous arrivons à New York. Direction 90. De toute façon,
falloir qu'on freine pour l'arrêt. On va y aller tranquillement puisqu'on a largement le temps. Oh. C'est chouette. C'est chouette. Ils sont vraiment sympas tes abris. Peut-être freiner quand même. Et voilà. On va descendre les passagers. Et voilà, nous sommes arrivés à Niort. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, vraiment sympa ça. Un changement de voie. Enfin, un remplacement de voie. Bien joué pour l'innovation là, Alexis. Bien vu. Bien vu, bien vu. Voilà. Du coup, on va se laisser là. Très 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 belle map. Bravo Alexis. Ouais. Rien à dire. Bravo. Puis avec les graffitis là. Ça rajoute du réalisme aussi. Parce qu'on sait tous qu'en ville, bah, les gares sont plutôt taguées. Non, non, vraiment bravo. Bravo, bravo. Du coup, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.